Salut à tous les glitchers, c'était ZB et aujourd'hui on se retrouve pour une énorme exclue, un nouveau glitch sur Black Ops 2 sur la map Buried. Alors déjà, avant de commencer ce glitch, je voulais déjà remercier Danny donc pour cet énorme exclue. Donc franchement c'est un super glitch, grosse dédicace à toi Danny Snipe. Voilà. Alors ce qu'il faudra faire, c'est déjà venir à l'endroit du saloon, donc dans les tunnels du saloon avec un propulseur. Donc ce que vous allez faire, c'est vous coucher contre cette bosse comme moi dans la vidéo. Exactement comme moi, vous allez placer une première fois votre propulseur en étant allongé. Donc vous allez bien rester au milieu du propulseur jusqu'à ce qu'il se charge. Ensuite il va vous envoyer une première fois dans le mur. Et là vous allez voir que votre viseur va se lever tout seul. Donc vous allez attendre que votre viseur se lève. Vous allez ramasser votre propulseur. Vous allez vous incliner un petit peu vers la gauche comme moi dans la vidéo. Là je me suis loupé donc je l'ai ramassé. J'ai ramassé mon propulseur pour essayer. Donc vous allez vous incliner légèrement vers la gauche. Replacer le propulseur. Et donc là vous allez être bloqué dans le mur, donc vous allez demander à votre ami de vous foncer dedans, comme ça, ça va vous décoller du mur. Ensuite vous allez vous mettre dans le propulseur pour l'instant qu'il se charge, donc sur la partie gauche du propulseur. Et là vous allez voir que ça va vous lancer donc dans la sky barrière. Donc ce glitch n'est pas nouveau, la sky barrière elle était déjà connue. Donc arrivé ici, vous êtes dans la sky barrière, va falloir faire attention aux dead barrières. Donc déjà si ça vous tue pas dès le début, si vous par chance vous atterrissez dans la sky barrière, vous allez ne plus bouger, rester un petit moment ici. Donc ensuite faudra suivre exactement le même chemin que moi. Donc prenez bien le même chemin que moi parce qu'il y a des dead barrières de partout, tout autour. Vous allez marcher jusqu'à la petite rampe d'escalier là comme on voit dans la vidéo. Et ensuite, donc là vous voyez mon ami Nizo qui est en face de moi qui a réussi le glitch avant moi. Vous devrez courir jusqu'à lui. Et donc avec un peu de chance vous allez éviter toutes les dead barrières si vous courez vite. Et vous tomberez donc exactement au même endroit que nous dans la vidéo. Et donc arrivé ici, tous les zombies viendront en face de vous. Donc si le zombie meurt vraiment en face de vous, vous pouvez prendre le bonus en sautant. Donc admettons que vous ayez amélioré le paralyseur et le laser numéro 2. Bah, vous pouvez faire des manches à l'infini. Voilà, donc ce glitch est très compliqué à faire. C'est surtout basé sur la chance. Parce que vous pouvez très bien réussir du premier coup comme vous prendre les dead barrières pendant une heure. Voilà. Moi j'espère que ce petit glitch vous aura plu. Encore une grosse dédicace à Danny pour avoir trouvé ce glitch. Et voilà, comme d'habitude, laissez un petit like si ça vous a plu. Et passez voir ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.